السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكر لله كثيرا طيبا مباركا فيه. Voilà, je fais cette vidéo pour ceux qui me reconnaissent. Oui, c'est moi, Larsen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Larsen, ancien rappeur français, issu de la Seine-Saint-Denis du 93. Alors cette vidéo, elle est faite après mes réflexions, après des années de réflexion, après beaucoup d'expérience, beaucoup de recul. Et aujourd'hui, je me décide, Inch'Allah Ta'ala, de parler à mes frères. De parler à mes frères du monde duquel je viens, dont je connais. Donc la majorité des frères à qui je vais parler me connaissent. Cette décision, comme je vous ai dit, elle est vraiment réfléchie. Aujourd'hui, avec Jannah TV, on essaye de vouloir venir avec paix, respect et surtout avec amour pour Allah envers nos frères. Il faut savoir que moi, ce qui m'a donné le déclic, c'est la dernière tragédie qui s'est passée dans un endroit qui me touche vraiment. Car pour ceux qui le savent, ça fait plusieurs années que j'ai quitté la France pour mon pays d'origine, l'Algérie, où j'ai vécu 7 ans. Même si actuellement je me trouve au Maroc, je suis installé en Algérie à la base. Je suis résident algérien, alhamdoulilah. Et ces derniers jours, il y a une tragédie qui me touche énormément, qui sont le décès de 5 personnes à l'entrée du concert de notre frère Raouf. Je parle spécialement de cet événement car le malheur des uns fait le rappel pour les autres. C'est un très gros rappel pour moi et vraiment un déclic. Le but n'est aucunement de charger quelqu'un, n'est aucunement de faire la morale à quelqu'un, n'est aucunement de venir s'en prendre à quelqu'un, mais juste de parler avec le cœur et avec amour pour nos frères. Car ces frères qui aujourd'hui sont embarqués dans cette passion, dans ce monde-là que j'ai connu 17 ans de ma vie, 17 ans de ma vie passée à bord de ce bateau qui est la passion de la musique, où on est passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, où malheureusement j'ai été l'instigateur de pas mal de choses dans ce monde-là. Je me dois aujourd'hui de prendre mon courage à deux mains, de venir parler à mes frères, car, alhamdoulilah, Allah nous a permis de faire taouba, moi Allah m'a permis de faire taouba, d'arrêter ces choses après plusieurs épreuves. Les gens, je m'attends à beaucoup de critiques, je m'attends à beaucoup de choses. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas le passé, ce n'est pas les choses négatives qu'on peut retenir. L'important, c'est le futur et comment on peut parler à nos frères, car ce qu'on a besoin, c'est de dialogue. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais pourquoi tu ne leur parles pas en privé? Certains, je parle beaucoup, avec beaucoup d'artistes en privé, beaucoup de gens qui ont encore des amis, qui sont encore des amis, avec qui je parle régulièrement, avec qui je fais le rappel, il y en a beaucoup qui m'ont aidé sur certains projets. Et je demande pardon à Allah si je ne devais pas le faire. Mais c'est pour garder cette approche fraternelle qu'on a avec nos frères. Car juger nos frères, c'est trop simple. Car il faut savoir une chose, mes frères, mes sœurs, c'est que demain, on peut être à la place de ces gens-là. On peut être au fond du gouffre, au fond du précipice. Et ces mêmes personnes-là peuvent être meilleures que nous, et venir nous tendre la main. Donc aujourd'hui, moi, je prends la parole pour parler à mes frères. Naam, c'est cet événement qui m'a vraiment touché, car comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je viens en Algérie, que je vois le travail qui est fait par, mashallah, beaucoup de ulama qui ont amené la paix en Algérie, qui ont combattu tout ce qui est le takfirisme, tout ce qui est l'extrémisme. Et aujourd'hui, nous, notre religion, ce n'est pas l'extrémisme, ce n'est pas de venir et condamner les gens, c'est de parler à nos frères et de leur dire, mon frère, je viens de ce milieu-là, nous avons fait les choses, malheureusement, nous avons traité les maisons de disques, on est passé par le milieu underground. On est passé par les concerts, par toutes ces choses-là. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de choses. Et pour les gens qui me connaissent vraiment le savent. Aujourd'hui, je vais juste parler à mes frères. Wallahi al-adim, mes frères. Avec le cœur. Inch'Allah, faites attention. Wallahi al-adim, faites attention. Cette gloire après laquelle on a couru. Cet argent après lequel on a couru. Cette réussite fictive après laquelle on court. Wallahi al-adim, elle n'est qu'éphémère et vous le savez mieux que moi aujourd'hui. Parce que mieux que personne, à part vous, vous savez le mal que ça engendre. Naam, on veut la réussite.
Naam, on vend maison de disque. Naam, ils nous achètent. Naam, on veut l'argent, on veut cette gloire. Parce qu'on vient tous d'un peu des mêmes endroits, c'est-à-dire le ghetto français, les quartiers, la banlieue, où on ne nous donne rien de bien. Aujourd'hui, une des seules alternatives qu'on nous a proposées, c'est le sport, c'est le cinéma, et c'est surtout la musique. Certains pourront dire, ouais, mais qu'est-ce qui vient mettre son grain de sel dedans? Comme je vous ai dit, j'ai fait 17 ans de musique. Et aujourd'hui, 90 à 95% de la scène hip-hop française est de confession musulmane. Donc aujourd'hui, je ne peux pas moi rester et me taire et ne pas parler à mes frères. Naam, beaucoup de choses peuvent en découler, mais je fais abstraction du négatif pour le positif, pour parler sincèrement à mes frères. Wallah al-Adim, je sais très bien que vous êtes touchés par ce qui s'est passé à Alger, que ce soit le frère Raouf, que ce soit le frère Fianso, que ce soit toute l'équipe derrière. Il y a des jeunes de mon quartier qui sont derrière, que j'aime très très fort et de qui je suis très très proche. Et vous parler, pour moi, c'est une obligation. Aujourd'hui, je n'ai rien à gagner, ni buzz, ni argent, ni rien. La seule chose que je veux gagner par là, c'est la rahma d'Allah Azzawajal. Et je ne peux pas me dire que je vais mourir. Ça fait 10 ans que j'ai fait Taouba, 10 ans que je me dis à un moment donné, la Hassan, il faut que tu parles. Parce que si tu meurs sans avoir parlé, quel a été ton rôle vraiment dans ce que Allah t'a permis de faire? Donc aujourd'hui, les frères, je veux dire, il faut comme attention, s'il vous plaît, attention. Wallah al-Adim, Shaitan, il vient, il nous propose quelque chose et nous, on le prend. À nous de réfléchir, de chercher. Avant de faire toute chose, il faut apprendre cette chose. La science dans toute chose. Je veux devenir forgeron, je vais apprendre la science qui va me mener à ce métier-là. Aujourd'hui, la musique, on sait très bien, on va pas débattre sur ce fond. Tout le monde sait, toutes les personnes de confession musulmane savent qu'elle est interdite. Maintenant, on jette la pierre à personne, on n'est pas là pour ça. Ça, vous le savez, le truc, c'est de savoir comment revenir. Inch'Allah, les portes du repentir, elles sont ouvertes. Aujourd'hui, là, on parle de mort. Pourquoi? Pour assister à une chose qui n'est pas quelque chose de bien. Aujourd'hui, mes frères, ils ont ça sur la conscience. Mais les portes du repentir, elles sont ouvertes. Donc, à vous de revenir vers ces portes du repentir. Alhamdulillah, ya Rabbi, pardonne. Aujourd'hui, venir vous accuser, vous blâmer, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis ni un talib al-ilm, je ne suis ni un étudiant en islam, je ne suis ni un cheikh, je ne suis pas tout ça, je ne suis ni un imam. Je suis juste un frère de la banlieue du 93 de Seine-Saint-Denis qui a traîné dans les halls, qui a fait beaucoup de mal, qui a connu plusieurs fois la prison, qui a eu un parcours et une carrière dans la musique, qui a pris beaucoup d'argent dans ce domaine-là et qui aujourd'hui est revenu repentant car ma vie n'était pas heureuse. Et que le seul bonheur que j'ai connu aujourd'hui, c'est d'avoir le cœur apaisé et je vous souhaite ça. Et que wallah, il n'est pas trop tard, mes frères, et vous pouvez revenir à ça. Aujourd'hui, ce milieu détourne nos petits frères, nous ramène à la perversion, nous ramène à beaucoup de péchés. Et je remercie des frères qui m'ont fait cette da'wah-là. Wallah al-Adim, tous ces frères, et vous vous reconnaîtrez. Wallah al-Adim, de mon frère Samat, qui m'a fait une grande da'wah à l'époque. De mon frère Mamadou de la Sossé. De mon frère Oshouli. De mon frère Ouamed Konaté aussi. Tous ces frères-là qui venaient me voir quand moi j'étais égaré et quand moi j'étais dans ce domaine-là. Et quand j'étais ni plus ni moins un instrument de négativité. Aujourd'hui, mes frères, Wallah al-Adim, tous les rappeurs en général, Wallah al-Adim, vous êtes dans mes doigts. On ne va pas faire le fou, le spirituel ou la je ne sais pas quoi, non. Jusque, aujourd'hui, je sais le mal-être que vous avez malgré tout cet argent et cette notoriété. Malgré l'argent, la notoriété et toutes ces choses-là que l'on vous a données, qui n'est qu'un test, parce que la vie, elle est éphémère. Et Wallah al-Adim, vous le savez mieux que moi, les frères. Moi, à l'époque, je me rappelle de frères, comme les frères de la section d'assaut qui venaient me dire, venez, on va faire la salat en jama'a. Viens, l'Arsen, faire la prière avec nous. Ce sont des gens qui connaissent le din. Et mes frères, je vous souhaite que du bonheur. Wallah al-Adim. Il n'y a rien à gagner derrière, à part vous parler. Comme ça, je me dirai demain, Inch'Allah, si je suis mort, j'ai laissé quelque chose de bien derrière moi. C'est de parler à mes frères. Naam, beaucoup ne voudront pas parler, beaucoup ne voudront pas dire les choses. Moi, je me sens obligé aujourd'hui, car je suis très affecté, très touché. Pour être un Algérien d'origine qui vit en Algérie depuis toutes ces années, et de voir ça, Wallah al-Adim, mes frères, ne rien vous dire serait hypocrite de ma part. Maintenant, Inch'Allah, que vous le comprendrez, vous le prendrez en bien. Mes frères, Wallah, je vous tends la main, Inch'Allah ta'ala, pour
sortir de ce truc-là, de parler, de dialoguer, vous aider, Inch'Allah. Beaucoup de choses passent par le dialogue. Personne ne se parle, personne ne se dit les choses. Et vous, l'entourage de ces gens-là, les engrenages continuent dans ce mouvement-là, dans ce bâtir, dans ces choses qui ne servent à rien, ce n'est pas les aider. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont morts, des parents qui sont tristes. Et wallahi al-adim, je ne souhaite pas que ces parents fassent des do'at char, parce que wallahi al-adim, de perdre un enfant à cause de cette chose-là, c'est grave. C'est très très grave. C'est quelque chose qui touche. Et je sais que vous devez en souffrir énormément, mes frères. Mais aujourd'hui, mon frère, qu'est-ce que t'attends pour arrêter? Qu'est-ce qui peut t'en empêcher? Alhamdoulilah, t'as vécu, tu as vu ce que c'était. Revenez. Aujourd'hui, on nous voit, nous les musulmans, comme mauvais. On nous voit comme mauvais. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'islam, ce n'est qu'une religion d'interdit. C'est qu'une religion de blâme. C'est qu'une religion... Non, on a beaucoup de choses qui sont permises. Et wallahi al-adim, mes frères, on a plein de choses à faire. On n'a qu'un message d'amour et de bonté à passer. Moi, wallahi al-adim, tous ces frères de confession musulmane qui sont dans le rap, wallahi, mes frères, je vis un bonheur depuis que j'ai fait Taouba, et on est plusieurs et vous nous connaissez. Et je vous dis, mes frères, une belle vie vous attend. Une belle vie vous attend. Ne soyons plus les instruments du mal pour notre communauté. Wallahi al-adim, ne soyons plus. Soyons des facteurs de progression, des facteurs de positivité. Et on peut passer outre les chemins du diable, de la perversion, de la musique. La musique, elle est utilisée pour contrer la da'wah du prophète, alayhi salatu wassalam. La musique a été réprimandée plusieurs fois dans le Coran. Wallah, que quand j'ai su ça, parce que moi j'étais qu'un ignorant, et c'est ça que la science est importante, que l'ilm qabla al-qawli wa al-amal, dans toutes choses. La science passe avant la parole et les actes, mes frères. Apprenons. Et vous savez la base. Inch'Allah, mes frères, wallah, je vous demande sincèrement, je suis personne aujourd'hui, juste un frère qui vous aime en Allah et qui vous demande, Inch'Allah, revenez repentant. Les portes du repentir sont encore ouvertes. Le soleil ne s'est pas levé de son couchant et vous n'êtes pas à l'agonie. Donc Allah accepte le repentir. Et là, le bien qu'on fera à notre communauté sera énorme. Il y en a marre de prôner la haine, la violence. Oui, vous pourrez dire, Larsen, t'étais un des premiers. Et qu'Allah me pardonne, j'ai fait taouba aujourd'hui, j'essaierai de me battre le reste de ma vie pour aider mes jeunes des quartiers à sortir de ça. Et à aider les rappeurs, Inch'Allah ta'ala, à revenir de ça. Si je peux être juste une cause, ça sera ça mon plus grand mérite et ma plus grande récompense. Le reste, j'en ai rien à faire. J'ai pas d'album à sortir, j'ai rien à vendre, j'ai rien du tout. J'ai juste un cœur et je veux partager ça avec vous. Ça fait des années que je suis là dans mon coin. Partager entre les gens qui me disent « Larsen, reste dans ton coin tranquille » et de l'autre côté où les gens me sollicitent, les jeunes de quartier, certains médias, certains frères qui me disent « Larsen, on va pas être utopiste. » Mais Inch'Allah, fais ce devoir-là, de parler à tes frères. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, mes frères. Wallah al-adim, tous les rappeurs de confession musulmane, wallah, interrogez votre cœur, mes frères. Wallah al-adim, c'est bien les strass, les paillettes, les jets privés, les hôtels, les villas, toutes ces choses-là, c'est une chose que notre neuf s'y réclame et qu'il aime. Mais sincèrement, le soir, quand vous allez vous coucher au lit et que vous réfléchissez à si demain vous allez vous réveiller vivant, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que toutes ces choses-là valent le coup? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que dérouter nos frères, nos sœurs, ça vaut le coup? Moi, je connais exactement cette sensation. Nous, les jeunes de quartier, on cherche à réussir. Ce qui se passe, on nous a proposé certains chemins. Et je sais exactement ce que c'est de rentrer dans un bureau de maison de disque, de s'asseoir face à ces personnes ignorantes et qui sont là à nous utiliser en marionnettes pour la perversion. Je sais ce que c'est de sortir de la misère, de ne pas avoir un euro, d'être en galère et de penser à l'avenir. Et quand cette personne en face de toi te dit « Tiens, tu vas prendre 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, même 50 000 euros, tu as juste à signer là. » Et à faire ce qu'on te dit et à nous donner ce qu'on veut. Donc nous, on ne vaut pas mieux que cette poignée d'argent. Je jure par Allah qu'aujourd'hui, j'essaierai de me concentrer dans ce combat. Parce que si personne ne le fait, personne ne le fera. Et on doit le faire ensemble. Et aujourd'hui, c'est de parler avec le Coran et la Sunna. De ne pas laisser toutes ces personnes parler sans savoir, en blâmant nos frères, en les insultant, en leur faisant avoir de l'humma, de... Ça, c'est pas bon, c'est pas le chemin à suivre.
Le dîn, l'islam ne s'est pas imposé comme ça. Notre prophète Hassan Salem n'avait pas ce comportement-là. Parce que les gens qui sont là à agresser ces rappeurs, à agresser ces gens qui font du haram, ils ne rapporteront rien de bien à notre communauté. Donc mes frères, allons étudier, allons apprendre notre religion et parlons avec amour pour nos frères. Wallahi al-adim, ce qu'on manque dans notre communauté, c'est de l'amour et c'est pour ça qu'on s'entretue. Et c'est pour ça qu'on pense que du mal de l'autre. Alors que wallahi al-adim, on veut que de l'amour. Donc mes frères, il y a un moment donné, il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vienne vous parler. Venir vous redire les choses. Faites tawbah, inshallah. Revenez repentant vers Allah. Là, on parle de mort. On parle de mort, subhanallah. Combien encore il va falloir qu'il y en ait. Et on va parler de mort physique, mais de mort du cœur. On va parler de shirk, cette musique mène au shirk. Cette musique fait l'apologie du haram et du mal, de la drogue, du sexe. C'est ça qu'on veut pour nos petits frères? Moi, je suis papa. C'est ça que vous voulez pour vos frères, pour vos enfants, pour vos sœurs, pour vos filles? Hein? C'est ça que vous voulez aujourd'hui? Hein? C'est que vos filles deviennent des filles pas bien et que vos enfants soient des drogués? Hein? Vous savez ce que c'est? Moi, je viens du ghetto français. Moi, je sais ce que ça fait. Je sais ce que font les dégâts d'une arme. Je sais ce que fait le dégât de la drogue. Combien d'amis sont morts dans ce milieu-là? Combien d'amis sont morts dans la rue? On veut parler de crédibilité, de vie. Ceux qui me connaissent savent que je l'ai vécu, savent que je connais ces choses-là. Mais aujourd'hui, on n'est plus là pour les prôner, pour agresser les gens ou mettre à l'amende des gens. On est là juste pour vous dire que ces choses-là ne nous ont rien ramené de bien, à part des femmes tristes, des enfants tristes, des mères tristes, des pères tristes. Une communauté qui s'enlise, c'est tout ce qu'on gagne derrière ça. Rien ne vous empêche de plaquer tout ça et de revenir à une vie normale. Inch'Allah, ces paroles, peut-être elles vous serviront pas tout de suite, mais peut-être qu'elles vous serviront plus tard comme moi, elles m'ont servi, celles de mes frères qui venaient me voir dans la rue et qui me disaient « Lars, réveille-toi. Moi, Wallah, t'es en train de tirer beaucoup de jeunes du mauvais côté. » Je comprenais pas, moi, je disais « Msoud, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Mais ma'alish, un jour, vous serez dans une épreuve où ces paroles, Inch'Allah, vous serviront, mes frères. Et Wallah, il a dit que vous êtes dans mes doigts, tous, autant que vous êtes, parce que vous êtes mes frères, même si on ne se connaît pas. On n'a pas d'affinité spéciale. On a partagé le même monde. Et je sais exactement ce que vous vivez. Je sais exactement la passion et l'appât du gain que vous vivez. Les engagements que vous avez. Ce neuf qu'on a envie de rendre heureux. D'être adulé, d'être aimé des gens. De penser qu'on a une mission, qu'on est quelqu'un. On n'est rien. Parce que quand on va mourir, on va arriver dans l'état dans lequel on est mort. Et devant Allah. Et l'important, c'est la fin. Donc je demande à Allah qui donne à tout le monde une bonne fin. Et Wallah, mes frères, tout le monde, et on se connaît les frérots. Que ce soit Ousni qui passe une épreuve en ce moment, que ce soit Kerry James qu'on a partagé des moments à l'époque, que ce soit Fianso, que ce soit le petit Raouf qui est avec des frérots de mon quartier, et qui a aujourd'hui vu une très grosse épreuve, que ce soit le petit frère et le CK que je vois souvent, que ce soit des frérots comme McTayer avec qui on échange, que ce soit mon frère de cœur, et qu'on sera lié à la vie et à la mort, mon frère Samat. Que ce soit tous ces rappeurs, tous autant que vous êtes. Wallahi al-adim, vous êtes dans mes doigts. Et toute cette nouvelle génération de rappeurs, ou tous ces nouveaux jeunes qui veulent faire carrière dans ce monde, car le rap n'est plus une mode, c'est devenu un mode de vie. Wallahi, mes frères, il n'y a rien de bien qui vous attend dans ce monde, à part vous enfoncer. Et je vous le dis avec le cœur et sans rien gagner. Certes, il y aura les gens qui parleront négativement, certes, il y aura des gens qui diront « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ?» Mais certes, il y aura des gens qui me comprendront et qui me connaissent. Et ça, c'est ces gens-là que ça s'adresse. Et mes petits frères, Wallah al-Adim, qu'on n'est pas condamné à des dealers, des braqueurs ou là je ne sais quoi. Allah, il nous aime. Et même la personne qui n'est pas religieuse, dans son cœur, elle sait que ces choses-là ne sont pas bonnes. Car aucun être humain sur terre ne veut que son fils devienne un drogué ou un voleur ou un tolard. Ou qu'il meure dans un endroit en allant voir un artiste qu'il adore ou qu'il idolâtre. Wallah, mes frères, revenons repentants. Ce message, il est du cœur. C'est avec amour. On vous invite avec Jannah TV, même si vous voulez qu'on s'assoie, qu'on parle ensemble. Wallah, l'adim qu'on le fait. On est ouvert. Oui, derrière, il y a tout un grand monde éphémère. Il y a des télévisions, des radios. Il y a des millions de personnes qui vous adulent aujourd'hui. Mais demain, quand tu auras la redescente, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous serez prêt? Combien de péchés encore à vous mettre sur les épaules? Combien de chanteurs ont eu une mauvaise mort?
de Bob Marley, à Jimi Hendrix, à Amin Winehouse, à Claude François, à tout, est-ce qu'ils ont une belle mort? Non. Et ce péché-là, même après la mort, si les gens continuent à vous écouter, oh là, vous continuerez à prendre des dounoubs, et quand on sera mort, il n'y aura plus tout cet argent, il n'y aura plus toute cette fioriture, toute cette idolâtrerie, tout ce kiff, il n'y aura plus rien, les frérots. Wallah, il n'y aura plus rien. Une belle vie vous attend, à vous de la prendre. Inch'Allah, c'est un message juste d'un frère qui vous aime, fillah, et qui veut votre bien. Et peut-être demain, ce sera moi qui boitera. Et j'espère que vous serez ma béquille et que vous viendrez m'aider à redevenir quelqu'un de bien, de sain et de propre. Inch'Allah, on va revenir bien, les frères. Et personne n'est condamné. Et tout le monde peut revenir et faire taouba à Allah. Min fadlikum, attention au shirk, les frères. Wallahi al-adim, que ça véhicule. Attention à ces choses-là. Un jour on est bien, mais demain, une épreuve peut nous frapper et tout peut s'écrouler autour de nous. L'argent, c'est pas ce qui va nous sauver. Être une star, c'est pas ce qui va nous sauver. Être entouré de toutes ces maisons de disques et ces médias, c'est pas ce qui va nous sauver. Et en général, on fait du mal à nos proches qui nous aiment dans ce monde-là. On peut mourir d'un instant à un autre. Vivons comme si c'était notre dernière heure, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Et wallah, c'est un message du cœur. Et les frérots, on se connaît. On sait, on est passé par le même milieu. Allah a mis des épreuves à chacun. Allah m'a mis des épreuves qui m'ont fait revenir à lui. Et je vous souhaite que ces épreuves-là vous fassent revenir à lui. Et on est ensemble et dans l'amour, fillah, les frérots. C'est tout. Ceux qui ne comprennent pas, désolé, inshallah, vous comprendrez plus tard, inshallah. C'est tout. Salam alaikum wa rahmatullah. Sur ce, Allahu al-alim, Dieu est le seul savant. Et c'est un message du cœur. Et qu'Allah permette d'accepter ma sincérité de ce message pour mes frères. Allah hafadkoum ikhou. Hayakoum Allah. Comme l'a dit Lahsan, nous ne sommes pas là en tant que moralisateurs ou donneurs de leçons, bien au contraire, comme l'aurait fait notre prophète bien-aimé et travaillé main dans la main. Ceci est donc un message à toute personne capable de donner l'exemple aux jeunes, aux musiciens repentis, aux frères et sœurs venus de loin et qui ont embrassé le chemin du bien. Rejoignez-nous dans ce devoir que nous avons envers eux. Unissons nos forces et laissons de belles empreintes derrière nous. Ceci est un message aux rappeurs et musiciens actuels. Vous êtes pétris de talent et il est fort dommage de voir que vous consommez vos efforts et votre génie dans des futilités fortuites. Votre place n'est pas là où vous le pensez. Regardez comment des Ibn Rawaha ou tout autre poète et artiste ont fait triompher la parole du plus haut. Lisez la vie de vos ancêtres et inspirez-vous-en. Le monde n'attend que vous pour le rendre meilleur. Ceci est un message à toute la communauté. Jusqu'à quand allons-nous rester silencieux et les bras croisés face aux plans et contraintes que le diable met sur notre chemin? Quand allons-nous retrousser les manches pour voir le bien triompher? Celui d'entre vous qui est en mesure de nous aider dans le travail, qu'il le fasse savoir. Nos canaux sont à votre entière disposition pour propager le bien. Celui qui peut, ne serait-ce que par un simple partage, transmettre ce message au plus grand nombre, voire aux artistes musulmans, qu'il le fasse aussi. N'oublions pas que le fait d'ordonner le bien et de lutter contre le mal est une obligation divine, comme le dit le Très-Haut.